qu'ensemble nous pouvons nous mettre debout, alors que nous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue à ces temps de célébration. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est apte, qui est en proie, qui veut célébrer le Seigneur. Mais Dieu nous a fait grâce ce soir de nous retrouver encore ici. Alors je voudrais que tu souhaites la bienvenue à ton frère, à ta sœur à côté de toi. C'est des temps de joie, de célébration, à travers lesquels nous devons manifester de la joie, traduire de la joie. Serre la main à quelqu'un, dis « Je suis très content d'être assis à côté de toi ». Je sens que tu es un très très bon voisin, très très bonne voisine. Salut celui qui est à ta droite. Et dis-lui, sois pour moi un partenaire de célébration ce soir. Établissez comme un partenariat. Parce que souvent il y en a qui louent, l'autre est assis à côté. Ça décourage, ça embrouille. Mais en ce soir, nous voulons nous accorder pour que ton voisin et toi, nous participions et nous célébrions le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Nous sommes à notre deuxième jour de célébration. Ce sont des temps forts pour le Seigneur. Alléluia. Notre église est en train d'être hissée sur les cimes des montagnes. Et Dieu nous entraîne aussi, nous, en tant que membres de cette église. Alors il nous revient en droit de dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Je voudrais que tu prennes ta Bible rapidement avec moi. Luc chapitre 17 si tu veux. Il y aura une petite portion des Écritures à partir du verset 11. Luc chapitre 17, verset 11. Je vais vous donner une technique pour retenir ce verset. Il s'agit des 10 lépreux. Le mot lépreux a 7 lettres. Ils sont 10, ça fait 17. Le mot lépreux commence par L. Luc chapitre 17, verset 11. Très facile à retenir. L'histoire des 10 lépreux. 10 plus 7, lépreux 7 lettres, ils étaient 10. Luc 17. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, verset 12. Comme il entrait dans une ville, dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Et comme nous ce soir, nous allons lever la voix. Et dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14, dès qu'il l'eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, avec S. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris, ils au pluriel, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Tous les 10, parce que c'est au pluriel, ils étaient guéris. Verset 15, l'un de ceux qui avaient été guéris, l'un des 10 lépreux, l'un d'eux. Dis à ton frère, sois l'un d'eux ce soir. Alléluia. Vous savez, on est tous enfants de Dieu, on est tous créatures de Dieu. Mais il y a des l'un d'eux. Alléluia. Et pourquoi tu es là ce soir? Tu fais partie de l'un d'eux, c'est toi. C'est de toi dont il s'agit. Écoutez, quand il s'agit de faire des choses, Dieu peut les faire en masse. Mais lorsqu'il s'agit de la reconnaissance, de la célébration, Dieu attend de nous quelque chose de personnel. Alléluia! C'est pourquoi ce soir, même si ton voisin reste assis, même s'il est un peu bizarre, sois l'un d'eux et adore Dieu ce soir. Le groupe de louanges, du moins la chorale, est là juste pour nous accompagner, nous encourager. Mais nous voulons être l'un d'eux. La Bible dit l'un d'eux, se voyant guéri. En fait, tout dépend de la façon dont tu te vois. Dis à ton frère, comment tu te vois? Comment tu te vois? Ça dépend. L'un de se voyant guéri. Écoutez, vous pouvez être guéri sans vous voir guéri. Il n'y a que ceux qui se voient guéris qui viennent rendre grâce à Dieu. Le reste, c'est ils accompagnent les autres. Nous sommes une église de plus de 1200-300 membres. Regardez, il n'y a que vous qui êtes là. On dit à ton frère, tu fais partie de l'un d'eux. C'est toi, c'est de toi. La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri revient à ses pas, sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux se voyant guéri, ça veut dire quoi? Que ta louange ressemble à la façon dont tu te vois. Amen.
Si tu es là, Jésus à Nazareth, Jésus. Ça veut dire que tu ne te vois pas tel que Dieu t'a guéri. La Bible dit qu'il louait Dieu à haute voix. Alléluia. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il rendit grâce à Jésus. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Ça veut dire que ceux qui viennent rendre gloire à Dieu, Dieu les identifie. Amen. Et ce soir, nous sommes à notre deuxième jour de célébration et nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Alléluia. Le message que j'ai pour toi ce soir, c'est que sois l'un d'eux. Ne sois pas tous, sois l'un d'eux. Et j'ai juste un seul sujet de prière avec nous pour nous introduire dans ce temps. Parce qu'on peut venir parce que l'affiche est passée, le flyer est passé et on vient à l'église. Mais je veux que tu viennes ce soir pour être l'un d'eux. Alléluia. C'est celui qui a été l'un d'eux que Jésus a identifié, que Jésus a apprécié. J'ai envie de dire que c'était facile que tout le monde soit guéri parce que tous ont été guéris. La Bible dit que Jésus a dit allez voir le sacrificateur et en partant ils ont été guéris. C'était facile. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul qui est revenu. Ça veut dire que c'était difficile de revenir. Amen. Or celui qui rend grâce fait la chose qui est plus difficile. Amen. Et ça que ce soir tu es venu faire ce qui est plus difficile. Ça veut dire quoi? Ce que tout le monde ne veut pas faire. Ce que tout le monde ne peut pas faire. Ce que tout le monde n'a même pas envie de faire. Toi tu es venu le faire ce soir. C'est la chose la plus difficile. Venir rendre grâce. Sinon les 9 autres seront venus avec l'autre. Pour guérir, ils ont été 10. Pour rendre grâce, il était seul. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui vient rendre grâce. Tu es distingué ce soir. Alléluia. Tu es mis à part ce soir. C'est pourquoi n'attends pas qu'on te demande, lève-toi. N'attends pas qu'on te dise, acclame le Seigneur. Non. Celui qui a été guéri et qui vient rendre grâce, sait ce qu'il faut faire. Amen. Les autres sont les accompagnateurs. Élève ta voix, dis à Jésus, je vais être l'un d'eux. Qui vient te rendre grâce pour tout ce que tu as fait. Qui vient t'adorer pour tout ce que tu as fait. Qui vient louer à haute voix pour ce que tu as fait. Je refuse d'être dans la foule, mais je vais être l'un d'eux. L'un d'eux. C'est de moi dont il s'agit. Je sais comment tu m'as guéri. J'ai vu. La Bible dit, se voyant guéri. J'ai vu ta grâce, j'ai vu ta main. Et c'est pour cette raison que je viens vers toi. Élève ta voix, prie avec nous. Tu es l'un d'eux, prie avec nous. Demande à Dieu, Seigneur, c'est moi. C'est de moi dont il est question. J'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. J'ai vu, je l'ai vu. Et je suis venu ce soir te rendre grâce. Merci pour ta grâce. Je veux être l'un d'eux ce soir. Je ne veux pas être tout le monde, ne pas faire comme tout le monde. Mais je vais être l'un d'eux, te rendre grâce à toi seul. Pour ce que j'ai vu Jésus faire dans ma vie. Pour ce que j'apprécie dans ma vie ce soir. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes ici pour toi, te rendre grâce, te louer, t'adorer. Oh oui, Jésus. T'élever à haute voix. Te rendre grâce. Te célébrer, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voulons entendre ta voix ce soir. Quand nous sommes venus te rendre grâce. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta grâce. Que toute la gloire te soit rendue. Nous te recommandons ces temps, le peuple, oh Dieu, le cœur, la louange, l'organisation, le peuple, l'ensemble des participants, Seigneur. Nous voulons recommander ces temps à ta grâce. Fais de nous l'un d'eux. Fais que nous fassions partie, oh Dieu, de ceux qui te rendent grâce. Non pas de la foule, Jésus. Oh Dieu, apprête-nous ce soir. Apprête nos voix à te louer, t'adorer, te célébrer. Parce que toi seul le mérites. Tu ne mérites pas, oh Dieu, le silence de celui qui a été guéri, mais tu mérites la voix de celui qui a été guéri. En ce soir, nous faisons partie, oh Dieu, de ceux qui te sont reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Jésus. Merci pour ce temps de célébration. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Oh Dieu, accepte-les, accepte notre offrande, tel que je suis, tel que nous sommes. Nous voici devant toi. Nous croyons au nom de Jésus. Que l'ennemi et sa corde s'enfuient de cet endroit. Des esprits impurs quittent les corps. Tout comportement compromettant, tout comportement paradoxal qui ne sied pas à ta présence quitte cet endroit au nom de Jésus de Nazareth.
Que tout esprit de distraction, de confusion, d'aveuglement soit dissipé au nom puissant de Jésus. Parce que le roi règne, le maître règne. Et là où il règne, la Bible dit quand si Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Tout ennemi dans de confusion, tout ennemi dans brouillamini, tout ennemi qui n'honore pas ta présence ce soir, nous le mettons sous nos pieds. Et nous proclamons que Christ a triomphé. Nous voulons te célébrer à haute voix ce soir. T'acclamer comme jamais, danser pour toi. Quelqu'un acclame Dieu au nom de Jésus. C'est comme ça que tu acclames celui qui t'a sauvé. Tu étais destiné à aller en enfer. Mais Jésus t'a secouru. Alléluia. Tu devais aller en enfer. Et le sang de Jésus t'a lavé. Adorons Jésus. Dans la joie d'être là ce soir, qui veut rendre grâce au Seigneur ce soir pour ses bienfaits, pour le souffle de vie qu'il t'accorde encore aujourd'hui. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu dises à ton voisin, je le loue avec ma voix. Même si je n'ai pas de voix, que ma voix est aphone, je vais le louer avec mes mains. Si je n'ai pas de mains ou si j'ai mal aux mains, je vais le louer avec mes pieds. En fait, ce soir, je veux que tu loues le Seigneur de la manière dont il te sied. Ça veut dire que si tu veux le louer avec des dents ce soir, loue-le avec des dents. Si tu veux le louer avec ta voix ce soir, loue-le avec ta voix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser les cris de joie? Amen. Je le loue avec ma voix. 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 Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pied, je le loue avec mon âme. Et si je n'ai plus d'âme, c'est que je le loue là-haut. Et si je n'ai plus d'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Ce soir, c'est qu'on exprime véritablement ce chant. Ça veut dire que lorsqu'on va dire je le loue avec ma voix, je voudrais que tu chantes aussi avec moi. Au moment où on va dire je le loue avec mes mains, soit tu lèves les mains au Seigneur, soit tu acclames le Seigneur. Lorsqu'on va dire je le loue avec mes pieds, que tu esquisses un pas de danse. Et si, bien sûr, nous avons d'âme, nous existons simplement là-haut dans les cieux. Amen. On va reprendre. Je le loue avec ma voix. 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 Bye.
Yeah.
je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Au-dessus de tous les noms. Ah, tu es notre tout, Seigneur.
tellement grand. Don't.
Salle. Il entend ta reconnaissance. Jésus est dans cette salle, les amis. Le prince de paix est dans ce lieu ce soir. Est-ce que tu peux le réaliser ce soir? Et les anges de Dieu ont envahi l'emploi. Le Saint-Esprit est ici. Disons à Dieu combien nous lui sommes reconnaissants. Nous lui resterons reconnaissants. Quelqu'un peut dire à Dieu sa reconnaissance. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Oh, je suis reconnaissant. Imaginez la présence d'un grand Dieu et comment être insensible à ce grand Dieu. Un grand Dieu ne peut pas être dans un endroit et tu es normal. Un problème. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui-même qui t'a accordé le souffle de vie pour que tu sois ici ce soir. Et la personne est ici. Comment être insensible? Comment être normal devant une personne telle? Personne, une telle autorité, celui qui peut décider ton souffle de vie. Comment être insensible? Oh, comment ne pas lui dire ce que tu as dans le cœur ce soir? Oh, l'homme qui tient nos vies entre ses mains d'ici, le tort de la vie est parmi nous ce soir. Comment tu te tiens dans sa présence? Comment tu lui adresses ta reconnaissance? Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous lever devant Jésus. La seule personne devant laquelle nous devons nous lever, même quand on n'a pas envie, c'est Jésus. Parce que lui, au moins, il nous donne le souffle de vie. Je reprends. La seule personne devant laquelle nous devons nous lever, même lorsqu'on n'a pas envie, c'est devant celui qui nous donne la vie. C'est la seule personne. Les autres encore, tu peux faire le choix. Mais devant l'auteur de la vie, frère,
Même si tu n'as pas envie, tu dois lui dire ta reconnaissance. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Commence à élever ta voix. Yahweh est parmi nous ce soir. Adore-le. Sois libre. Ne regarde pas ton voisin, bien-aimé. Jésus est ton voisin. Direct. Disons, tu es Yahweh. Oh, tout le monde chante en Seigneur. Tout le monde chante, tout le monde chante. Élevons la voix, chantons Seigneur. Alléluia, d'une seule voix. Comment? Plus fort, Yahweh. Oh, yes. Touchons le Seigneur. Tout le monde adorant Jésus. Ton Dieu, remercier ton Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie. Alléluia. Thank you Lord, merci Seigneur. Quelqu'un bénit Dieu ce soir pour toutes les grâces, les faveurs que Jésus a fait dans sa vie. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Sois célébré, Jésus. Sois célébré. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'adore.
Merci Seigneur. Quelqu'un acclame Dieu. Comme ça que tu acclames ton Dieu. Célébration. Donne une acclamation de célébration à Dieu. Parce que lui seul le mérite. Personne d'autre le mérite. Pendant que nous invitons ici sur cette estrade pour ce temps de célébration et pendant que nous acclamons Dieu, nous voulons recevoir ici un homme de qualité, un homme de marque, un adorateur exceptionnel. J'appelle ici le pasteur David d'Accra. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour ça? Célébrons Jésus, adorons Jésus, acclamons Jésus. C'est lui que nous acclamons. Pendant que nous recevons ses serviteurs, pasteur David et son épouse, soyez les bienvenus. Put your hands together for Jesus, somebody tonight. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur des armées? Oh, put your hands together for Jesus. Oh, acclame encore Jésus. Why don't you add a shout of praise? Est-ce qu'on peut pousser des cris de louange? It is unto the King of Kings. C'est pour le roi des rois. And the Lord of Lords. Et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. You may please be seated for just a minute. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir pour une minute. Amen. Amen. I know that tonight. Je sais que ce soir, many of us have testimonies. Plusieurs d'entre nous ont un témoignage. And given the opportunity, we won't go home tonight. Et si on nous donne tous l'opportunité, nous n'allons pas rentrer de sitôt. Amen. Amen. Who has a testimony in the Qui house tonight? Qui a un témoignage ce soir dans la maison? Oh, if you are even here, you yourself are a testimony. Même tonight. Si tu es là, tu as un témoignage ce soir. Amen. Amen. I am grateful to God. Je suis reconnaissant à Dieu for this opportunity to be here. Pour l'opportunité qu'il me donne d'être là. Amen. 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 We will dance a little. Nous allons danser un peu. We will worship a little. Hallelujah. Nous allons adorer un peu. Amen. Amen. Oh, you really enjoy it. Put your hands together. Est-ce que tu peux acclamer encore l'Éternel des armées? Amen. Amen. Before I start, avant de commencer, I want to say a big thank you to the father of the house. Je veux dire un grand merci au père de la maison. I hope you know who I'm talking about. Je sais que vous savez de qui je parle. Please be on your feet and celebrate this man of God. S'il vous plaît, levons-nous ensemble et nous allons célébrer Dieu pour la vie du pasteur Félix. Pasteur Félix, nous te célébrons. Oh, please celebrate the man. S'il vous plaît, célébrons l'homme de Dieu. When you finish celebrating, quand tu finis de le célébrer, I will tell you why. Je vais te dire pourquoi. Amen. Amen. You may please be seated. Vous pouvez vous rasseoir encore. Amen. Amen. So 27 years ago, il y avait 7 ans de cela, my uncle completed Idahosa School of Ministry. Mon oncle a fini l'école d'Idahosa, l'école de ministère d'Idahosa. Came back to Ghana. Il est revenu au Ghana and started a church. Et il a commencé une église. I was very young. J'étais très jeune. 20 years after. 20 années après, God was calling me into ministry. Dieu m'appelait au ministère. And I felt to leave my family church. Et j'ai senti le besoin de quitter l'église de ma famille. And go and serve in another church. Et pour aller servir dans une autre assemblée. So I went there and served the man of God for 8 years. Je suis parti et j'ai servi l'homme de Dieu pendant 8 années. It was there that the Lord called and ordained me. Et c'est là-bas que Dieu m'a appelé et m'a ordonné. After my service was done. Après que j'ai accompli mon service. He asked me to return to my uncle's church. Il m'a demandé de retourner à l'église de mon oncle. Amen. Amen. Now my uncle says, I am old. Mon oncle a dit, je suis vieux. They are 7 churches. Ils ont 7 églises. And I want you to take over. Et je veux que toi, tu prennes cette église en charge. A young man. Un jeune homme. No wisdom. Qui n'a pas de sagesse. No know-how. Qui ne sait pas comment faire. You see,
Then I started praying to God for wisdom. Alors j'ai commencé à prier pour demander la sagesse à Dieu. Now when God wants to answer a prayer to wisdom, et quand Dieu veut répondre à la prière de la sagesse, wisdom does not come from heaven directly into your head. La sagesse ne quitte pas le ciel pour pénétrer ta tête comme cela. You will not wake up one day and you are a wise man. Tu ne vas pas te lever un matin et te déclarer sage. Amen. Amen. God will put someone in your life. Dieu va mettre quelqu'un dans ta vie. Amen. Amen. When I walked through the door and I saw this auditorium, quand je marche dans cette église et que je vois l'auditorium, and saw the excellence with which things are done, et je vois l'excellence avec laquelle les choses sont I faites, knew there was a wise man in the house. Je savais qu'il y a un homme sage dans la maison. Amen. Amen. No, maybe you don't understand my testimony. Peut-être tu ne comprends pas mon témoignage. As I entered this place, quand je suis rentré dans and encountered cette the man of God, et que j'ai rencontré l'homme de it Dieu, became the solution to the prayer. Il fut la réponse à ma prière that I prayed to God. Que j'ai fait à Dieu. When I said, God, give me wisdom. Quand j'ai dit, Père, donne-moi la sagesse. I have a big church to run. J'ai une grande église à diriger. And no wisdom to run it. Et je n'ai pas la sagesse nécessaire. Then the Lord said, alors le Seigneur a dit, go to Senegal. Va au Sénégal. Go and meet Pastor Felix. Va rencontrer Pasteur Félix. Go and watch him. Va le regarder. And since I have been here, et depuis que je suis là, I've been writing notes. J'écris seulement. Pastor, I have notes on everything. Pasteur, je prends notes sur tout ce qui se passe. On why there's a stage this high. Pourquoi est-ce que l'hôtel est si haut? And there is a baptism area on it. Pourquoi est-ce qu'il y a un baptistère? And sur there l'hôtel? Are lights everywhere. Et que toutes choses sont placées partout. I am writing notes. Je prends des notes. When I go back to Ghana, quand je retournerai au Ghana, they say this young man is very wise. On dit ah, cet homme est très sage. But it is because I have encountered a wise man. C'est parce que j'ai rencontré that is my testimony. Hallelujah. Hallelujah. I want to share something small with you. Je veux partager quelque chose avec vous. I want to thank all the leaders of the house. Je veux remercier tous les leaders de l'église. It is not easy for me to be standing here. Ce n'est pas facile pour moi de me tenir this is en a ce big lieu. Church. C'est une grande église. Too many people can speak here. Plusieurs personnes peuvent parler. Too many ici. People can sing here. Plusieurs peuvent chanter. Small ici. Me. Le petit moi. Amen. Amen. We are here for celebration. Nous sommes là pour la célébration. Amen. Amen. Celebration brings to mind thanksgiving. La célébration fait allusion à la reconnaissance. Amen. Amen. There are three thanksgivers in the world. Il y a trois actions de grâce dans le monde. If you read the Bible, you find them there. Three. Si vous lisez la Bible, vous les rencontrerez. There are those who thank God after he has done something for them. Il y a ceux-là qui remercient Dieu après qu'il ait fait quelque chose dans leur vie. Many of us are like that. Plusieurs d'entre nous sont comme cela. If somebody says that I'm going to give you something, si quelqu'un te dit je vais te donner quelque chose, in your mind you are asking, let me see it before. Dans ta tête tu dis je dois voir cette chose d'abord. Maybe he's lying. Peut-être qu'il ment. Amen. Amen. The second group. Le deuxième groupe de personnes is the group of people who want to see the thing being done. C'est ces personnes-là qui veulent voir la chose être faite before they say thank you. Avant qu'ils reconnaissent, qu'ils Amen. Disent merci. And then there's the last group. Alors il y a la dernière catégorie. The group that Jesus says. La catégorie dont Blessed Jésus a dit. Blessed are they that have not yet seen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, but have yet believed. Mais qui croient. That is the group we are today. Et c'est le groupe auquel nous appartenons ce soir. Jesus met 10 lepers. Jésus a rencontré 10 lépreux. And they said, save us, help us. Ils ont dit, oh maître, aide-nous, sauve-nous. He says, go and show yourself to the priest. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. On their way going, et pendant qu'ils y allaient, the Bible says that they realized they were clean. La Bible déclare qu'ils ont réalisé qu'ils furent purs. One came back and said thank you. Il y a un seul qui est revenu pour dire merci. I have been thinking about why only one came back. Et je me suis demandé même pourquoi il y a un seul sur 10. Is it possible that it started happening? Est-ce que c'est possible qu'il a commencé and à the arriver? Nine could not believe that it will finish happening. Que les neuf n'ont pas cru que cela that serait is why they didn't come back. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas revenus. Is it possible? Est-ce possible? That the nine of them did not believe that it will happen. Que les neuf d'entre eux n'ont pas cru que cela serait possible. Why did only one person come back? Pourquoi est-ce que une seule personne est revenue?
I think that it was because that one person, je crois que c'est parce que ce dernier a su the God who had spoken to him, que le Dieu qui a parlé sur lui. Amen. Believers today don't know the God who has spoken to us. Plusieurs d'entre nous ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. 2018, you started praying to God. En 2018, nous avons commencé à prier à l'Éternel. December, you said, take me through 2019. En décembre 2018, tu as dit, Seigneur, envoie-moi en 2019. From January to December. De janvier à décembre, you prayed that prayer. Tu as fait cette prière. Some people are waiting for December 31st before they will give thanks to God. Il y a certaines personnes qui attendent le 31 décembre pour dire merci à Dieu. Is it possible that you don't believe the word of God? Est-ce possible que tu ne crois pas à la parole de Dieu? Let me give you an example. Laisse-moi te donner un exemple. Jesus says to his disciples, Jésus a dit à ses disciples, let us go over to the other side. On doit aller à l'autre rive. On their way going, et pendant qu'ils y allaient, a storm arises. Il y a une tempête. They go to Jesus. Ils sont allés à Jésus. They say, see that we are dying. Ils ont dit, regarde-nous, nous périssons. I was worried when I read that. Et j'étais inquiet quand je lisais cela. The man said, let us go and die. Est-ce que les gens ont dit, allons-y et nous allons mourir? Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Qu'est-ce qu'ils ont dit? The destination is the other side. La destination est de l'autre. The destination is not under the sea. Ce n'est pas sous la mer. The destination is the other side. La destination est l'autre. My brother, my sister, if Jesus said he's blessing you, si Jésus te dit qu'il te bénit, 2020 will come and see your blessing. En 2020, tu feras ta bénédiction. 2019 will not pass without a remembrance. Tu ne feras pas 2020 sans te rappeler. Somebody celebrate Jesus tonight. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Celebrate Jesus tonight. Celebrate Jesus tonight. Celebrate Jesus tonight. Célèbre Jésus ce soir. Why don't you be on your feet? Est-ce que tu peux te test your legs? Et bouge tes pieds. Amen. I want you to test your legs. See if je veux que tu testes tes pieds. I don't know how many of you came with two legs today. Je ne sais. Do you have a leg? Est-ce que tu as un pied? Test it and see if it is working. Test. Faut regarder si ça marche. Test the second one. See if it is working. L'autre pied. Amen. Can we do some reggae this evening? Est-ce qu'on peut can we do some reggae this evening? Est-ce qu'on peut faire un peu de reggae ce soir? Can we do some reggae tonight? Est-ce qu'on peut faire un peu de reggae ce soir? Can we do some reggae tonight? Est-ce qu'on peut faire un peu de reggae ce soir pour la gloire de Dieu? I'm not seeing any movement in the house. Je ne vois pas quelqu'un bouger. How many Jamaicans are here? Est-ce qu'il y a des Jamaïcains en ce lieu? All right, say, how God is an awesome God, He reigns from heaven above. Storm, power, and love. Oh God is an awesome God. How good is an awesome God? He reigns from heaven above. And we storm, power, and love. Our God is an awesome God. How God is an awesome God? He reigns from heaven above. We reign storm, power, and love. Our God is an awesome God. How good is an awesome God? Tonight,
has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, cause he has made me glad. I will rejoice, for he has. All right, listen to this one. It's not by might, it's not by power, by my speed, which says the Lord. Do you know that? It's not by might, it's not by power, by my speed, which says the Lord. Hey! This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Hey, by my speed, it says the Lord. Sure, highly lifted up, there is no one like you. You say, Halle, 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 Hallelujah. Sure, highly lifted up, there is no one like you. Everybody say, Halle, 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 Hallelujah. Sure, highly lifted up, Lord, there is no one like you. Everybody say, Halle, 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 Hallelujah. You are highly lifted up, there is no one like you. Everybody say, Halle, 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 Hallelujah. I said, you are highly lifted up, there is no one like you. Everybody say, Halle, Halle, Halle. I won't turn back. Yes,
my Lord. Everybody now fire, 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 on the day say, on the day of 24, fire, on the day say, on the day of 24, fire, 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 celebration in the house. Je n'entends pas de célébration. Hallelujah. Hallelujah. I am a Ghanaian. Je suis Ghanaien. And we have our ways of praising. Hallelujah. Nous avons notre manière de louer Dieu. Can I take you to Ghana for a minute? Est-ce que je peux vous envoyer au Ghana pour un peu de temps? Can I take you to Ghana for a minute? Est-ce que je peux vous envoyer au Ghana pour peu de temps? Oh, I can't hear the response. Can I take you to Ghana for a minute? Je n'entends pas la réponse. Est-ce qu'on peut aller au Ghana? Oh, I should not misplace you, eh? Always comfortable to have your wife on keyboard. C'est très intéressant quand ta femme est au piano. Hallelujah. Hallelujah. Aye, aye, aye. Goes like that. Ça va comme cela. All right. Okay. Can I hear you do it? You can shake yourself somewhere between that. Tu peux le faire avec ton voisin à côté. Bouger. Let me see you do that, come on.
ami Omega. Adini na sotonfu. Eh, asi ati ayo. Onyame wo fataye yiye. Onyame wo fatena se. Wasa beri mae. Berade, asi daso. Alpha, Alpha ni Omega. Adini na sotonfu. Eh, asi ati ayo. Onyame wo fataye yiye. Qui s'appelle le tui. Amen. Amen. One of the verses says, il y a un couplet qui dit, what kind of power do you talk with? Avec quel genre de puissance que tu parles? That when you speak, de sorte à ce que quand tu parles, the dead comes to life. Les morts reviennent à la vie. I don't know if it means somebody like you. Je ne sais pas si c'est quelqu'un comme you see, toi. Something can be dead in your life. Tu vois, quelque chose peut être mort dans ta vie. Maybe your finances is dead. Peut-être tes finances sont mortes. Maybe your education is dead. Peut-être ton éducation est morte. Maybe your health is dead. Peut-être ta santé est morte. But there is a power that speaks. Mais il y a une puissance quand elle parle. That brings dead things back to life. Ça remet à la vie tout ce qui est and mort. And that is the God we serve tonight. Et c'est le Dieu que nous servons ce soir. He says, "What power do you speak with?" C'est de quel pouvoir dont tu parles? That the dead things come to life. Qui remet les morts à la vie? Those in the hospital come back home. Ceux qui sont à l'hôpital reviennent à la maison.
ben na wo de kasa onwa weni e wu ye wu to mi ben na wo de kasa ayare fo nya ra ayare so ani de fi jesu abe fie obo ni su awunta ne kinwa me nti asio. I don't know how many people are expecting children here. Je ne sais pas combien d'entre nous attendent un enfant. There's a verse in the word. Il y a un couplet. There's a verse in the song. Il y a un couplet dans le chant. It says that when you speak, it ça dit ce que tu dis. Even those who are called barren can give birth to more. Even those called barren can give birth to more. Même la stérile peut enfanter plusieurs fois. I remember when we got married. Je me rappelle lorsque nous sommes mariés. Some family members of mine, quelques membres de ma famille, were giving us so much pressure. Mettaient la pression sur nous. In Ghana, au Ghana, when you get married, quand tu te maries, and you don't get pregnant the first year, et que la première année tu n'es pas enceinte, there's a problem. Y a un problème. They will look at you, hey. Ils vont te regarder, hey. I remember one day. Je me rappelle un jour. One of my aunties gave me a call. Il y a une de mes tantes qui m'a appelé. He says, Kojo. Elle a dit, Kojo. I am giving you the next 3 months. Je te donne 3 mois. If I don't hear anything, si je n'entends rien, I will take the two of you to the hospital. Je vous enverrai vous deux à l'hôpital. They must find the one who has the fault. On doit trouver le problème vient de qui. Hey, hey. They called a family meeting. They called a family meeting. Ils ont fait une réunion de famille. They say, Master, you must show us something. On dit, André, il y a un problème chez toi. And every time they say, I say, ah, but what is your problem? Et à chaque fois qu'on m'interpelle, je dis, ah, mais c'est quoi votre problème? One auntie said, why are you the problem? Et ma tante a dit, est-ce que le problème vient de toi? Amen. Amen. One day the Lord said, I will show you something. Un jour, l'Éternel m'a dit, je vais te montrer quelque Look, chose. We didn't plan this, Pastor. On n'a pas planifié ça, pasteur. But in 2 years, mais en 2 ans, under 2 years, en 2 années, under 2 years, en 2 années, the Lord gave us 3 children. Dieu nous a donné 3 enfants. Now we say we don't want again. Maintenant, on veut plus enfants là, c'est bon. That is the God we're serving tonight. C'est le Dieu que nous servons ce soir. To me, Ben, I would cast up. I'm on when you want. To me, Ben, I would cast up. I am for my fear. Oh, Bonnie, I won't tell. I need a feature to a fear. The dream woman, yes, you. Why don't you lift up your hands to the heavens? Let's go to Pelagic. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends, but I know one thing. Mais je sais que tu peux. Je sais une chose. That when you come to the Lord with gratitude, que tu viens auprès du Seigneur avec la reconnaissance. Whatever your prayer has been, peu importe le genre de prière que tu as faite, the God that answers prayer will answer. Le Dieu qui répond à la prière t'exaucera. David knew this thing. David knew this thing. Il a su cette chose, ce secret. When he heard, quand il a entendu, that the ark of the tabernacle, que l'arche de l'alliance, was in Obed-Edom's house, était dans la maison d'Obed-Edom, and it had blessed him, et que cette arche a béni Obed-Edom, he made arrangement for it to be brought to il him. Il s'est arrangé à ce que l'arche revienne chez lui à la you maison. You don't understand. Tu ne me comprends pas. We read that and David danced. On dit que David a dansé, but you don't understand why he danced. Mais tu ne comprends pas pourquoi il a dansé. He said Obed-Edom is not the king. Il dit Obed-Edom n'est pas le roi. But if the ark in his house, mais si l'arche est dans sa maison, has caused him to be a blessing, et que l'arche a béni la maison d'Obed-Edom, I must dance because je dois danser. It is going to be a better blessing to me. Est-ce que cette arche va bénir aussi ma maison? Oh, aye, 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 aye.
I want to sing another song from Ghana. Je veux chanter un autre chant. And I will try to explain it to you. Et je vais essayer de vous expliquer pendant que je le chante. Wasi ni awudi ma bedruni. Aye me fe toto. Ni awaya mami. Ebru menti asye yiso. Enti me pa minye. Na waya mi seyi. Erade. Oho ye. The song says, is this really me? Le chant dit, est-ce réellement moi? That you have done like this. Que tu as fait comme cela. If I look at where you brought me from. Quand je regarde où tu m'as pris. And where you have brought me to. Et où tu m'as emmené. You are a wonderful God. Tu es un Dieu merveilleux. I don't know who can be glad. Je ne sais about pas where God has brought you from. Je ne sais pas qui peut être content de voir là où Dieu l'a enlevé. Oh, c'est wa c'est ça mes nyom. Wa c'est ça mes chèvres. Wa c'est ça mes di. Et dia ostre fois o te serre me. Enti me pa mini. Now I am saying, here I did. Oh, yeah. He says, you have changed my song. Il dit, tu as changé mon cantique. You have changed my destiny. Tu as changé ma destinée. You have changed my position. Tu as changé ma position. The things that the enemy used to laugh at me. Les choses dont l'ennemi se servait pour se moquer de moi. I don't know how many people the devil has been laughing at. Je ne sais pas il y a combien. And he has employed other people to laugh at you. Et plusieurs personnes se moquaient de toi. But the Lord has changed your story. Mais l'Éternel a changé ton histoire. That is why we are here to give him praise. C'est pour cela que nous sommes là pour lui rendre gloire. That is why we are here to give him praise. C'est pour cela que nous sommes là pour lui rendre louange. Oh, what's this some day? It ain't all straight for the ceremony. Oh, to me, palm now I am in say, yo. Here I did. There's this other one, last one. Et il y a un dernier chant. He says, if I am alive. Le chant dit, si je suis en vie. Then it is because of you. C'est simplement à cause de toi. One of the verses. Un couplet dit. There are many that are in the hospital. Il y a plusieurs qui sont à l'hôpital. They don't even have the strength. Ils n'ont même pas la force to get up and say, I am walking out of here. De se lever pour dire je quitte ces lieux. You know the interesting thing. Et vous savez la chose intéressante. There are many rich people. Il y a plusieurs personnes riches who don't have excitement in their life. Qui n'ont aucun excitement dans leur vie. Look, they wear fancy suits. They wear fancy suits. Ils portent les pagnes fancy. They have big cars. Ils ont de grosses voitures. My daughter is fascinated about the Lamborghini. Ma fille aime la Lamborghini. When she hears Lamborghini, quand elle entend Lamborghini, her eyes pop out. Ses yeux s'ouvrent. Some of them have Lamborghinis. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont des Lamborghini. But they cannot sleep at night. Mais ils ne peuvent pas dormir la nuit. Some people have mouths. Il y a certains qui ont la bouche, but they cannot even sing a song. Mais ils ne peuvent même pas chanter un cantique. Many people are sick in their body. Plusieurs personnes sont malades. And they don't have the strength. Et ils n'ont pas la force. But the song says, but if I am alive. Mais le chant dit si je suis en vie. And the blood goes from the top of my head to my body. Et il y a le sang de ma tête jusqu'à la tête. Then I will glorify you, my God. Alors je vais te glorifier, Père. The God of my
my strength. Le Dieu de mes forces. The God of my father. Le Dieu de mes pères. The God that has made me whole. Le Dieu qui m'a rendu libre. Oh, c'est un métier assis. Et j'ai metté ma voix. Metté ma voix, metté assis. Et j'ai meyi waye. Oh, I live
live for you. Lord, should I die, I die for you. Lord, in all my ways, I'm ever yours. If I live, I live for you. In all my ways, I'm ever yours. In all my ways, I'm Why don't you lift up your hands to the heavens? Pourquoi ne pas lever ta main au ciel? And just thank God for the wonderful things He's doing in your life. Et remercier simplement l'Éternel pour les merveilleuses choses qu'il a faites. I'm ever yours. In all my way. I'm ever yours. It says, draw me close to you. Oh Lord, never let me go. Oh, oh, I lay it all. You are my desire. You are my desire. No one else will do. Come on, shada da bahanda da bahosa. Oh, cause nothing else can take your place. To fill the world. Feel the warmth of your embrace. Help me find my way, Lord. Help me find my way to bring me back. To bring me back to you. Thank you.
Que je priais ce matin, très tôt, sur la terrasse de notre immeuble, j'ai entendu une voix qui me disait, cette célébration, elle doit être annuelle. Ça va être un programme annuel. Que chaque année, nous allons prendre une semaine pour célébrer Dieu. Alléluia! Ce n'est pas un séminaire d'enseignement. Ce n'est même pas un séminaire de prière, une semaine de prière. Quand même que nous prions et nous pouvons exhorter. Mais c'est une semaine de célébration. Nous nous sommes arrêtés sur cette semaine pour dire merci. Merci. Merci, 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 Jerejef, Jerejef Yesu, Jerejef Yesu, Jokanjali Yesu, Jokanjali Yesu. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya.
Je ne sais pas dans ta langue comment ça se dit. Tu peux le dire maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout et commencer à prier? Maintenant tu vas simplement parler à Dieu. Même si tu vas dans ta langue maternelle, mais dis-lui merci. Vous savez pourquoi? Tu vas dire merci à Dieu. C'est la dernière prière que nous allons faire avant de mettre fin à ce moment par la prière. Hein? Lorsque Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, Lazare était encore pourri. Jésus est devant, Lazare sentait encore. Lazare était encore lié, il était dans son tombeau. Il n'était pas encore ressuscité quand Jésus a commencé à remercier son Père. Père, merci. Parce que tu m'exauces toujours. Voilà la prière de Jésus. Voilà la prière de Jésus. Il a juste célébré son Père. Et le miracle a eu lieu. Il a juste acclamé son Père. Et le miracle a eu lieu. Il a juste dit à son Père merci. Parce que toutes les fois que je t'ai demandé quoi que ce soit, tu l'as fait. Il a juste remercié son Père. Il a juste été reconnaissant pour toutes les fois que le Père l'a exaucé. Et le miracle a eu lieu. Alors ce soir, c'est la seule chose que tu vas dire à Dieu. Et c'est la dernière prière. Après cette prière, quelqu'un viendra remercier le Seigneur au nom de tout le monde et nous allons rentrer. Mais je veux que tu élèves ta voix en ce moment et tu pries comme Jésus devant la tombe de Lazare. Car le pasteur David l'a dit tantôt. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, dans tes études. Qu'est-ce qui est mort dans ton corps, dans tes pensées, dans ta famille, dans tes projets. Qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui ne vit plus, qu'est-ce qui est emprisonné, qu'est-ce qui est ligoté, lié. Mais nous savons une chose. Si tu remercies Dieu ce matin de tout ton cœur, pour les bonnes choses qu'il a faites dans ta vie, les grandes choses se réaliseront. Tout ce qui est mort dans ta vie reprendra vie. Alors élève ta voix et commence à remercier Dieu. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne doit le faire à ta place. C'est toi et toi seul qui dois le faire. Remercie Dieu. Commence à remercier Dieu. C'est toi qui sais ce qu'il a fait pour toi. Tu le sais mieux que quiconque. Tu le sais mieux que quiconque. Tu le sais. Ce qu'il a fait, tu le sais. Ce qu'il est pour toi, tu le sais. Ce qu'il a réalisé dans ta vie, là où il t'a amené, tu le sais. Oui, tu le sais. Remercie-le. Remercie-le. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jokanjal Yesu. Jokanjal me parelof. Jokanjal me yirmanof. Jokanjal me yirmanof. Jokanjal Yesu. Mekhe gitman ko Jokanjal. Mekhe gitman ko yakaran. Mekhe gitman. On a fait rock for Abraham, rock for Isaac, rock for Jacob. On a fait rock for him. Jara Jeff Yesu, Jara Jeff Tisambahai, Jara Jeff Tisayirmane, Jara Jeff Tisakate, Jara Jeff Tilikangudon, Jara Jeff Yesu. Manglay Garam Tedi La Sante, Manglay Garam Tedi La Sante. Def nga lu nek ci sama dundu. Def nga lu nek ci sama dundu. Sama ruha ngi makal sa tour. Sama xel ti makal yalla sama borom. Yow mi nga xamantene. Yow ki nekkon demu. Ya nek tey. Tey yaay nek suba. Be faw. Kenn nga.
somo za sopeku lunek defgako ya nyu chele chiap teba jan nu yorure eram ya nyu chele chiap tutel gama nyu yeram ya gama nyu dole gama nyu katan gama nyu lunek kwa bi yesu dey sama khol fes na chia sama khol manglay makal yesu jara chef 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 yesu manglay sant manglay kram yow yow de aji kaweji aji sarchi manglay kram manglay sant parce que keninga ken melul ni yow ken melul ni yow ken melul ni yow kouté nga tekkel ko kou amul lu mu lek jox nga ko lu mu lek kou new dole may nga ko dole ken tu yow chatina si ken tu yow chatina si ci sunu senegal ki ken ci yow li nga defal betel defal ko kep ku nek ci ñun ken munu ko wona def yow rek ya ko muna def yow rek yesu ya ko muna def limo tate ci ñu ngi lay sant param ci yesu ñu ngi lay karam suñu xol suñu xel suñu ro ak suñu yaram mangi yeketti sa tour param bi yesu lepp ci ñun angi yeketti sa tour di la sant ngir ñep ngir lepp li nga def ci tour yesu jara jef yesu jara jef yesu jara jef yesu jara jef yesu ci samba hay ci sa selay ci sa katan ci li nga def ci rew mi def ko ci betel def ko ci suñu dundu ñu ngi lay gërëm ndax kenn melu ni yow kenn nga ci adina si kenn nga ci rew mi kenn nga ci dëkk ji maa ngi lay gërëm yesu jërëjëf jërëjëf yesu jërëjëf yesu jërëjëf yesu jërëjëf yesu yow yaay almasi bi yow yaay suñu yalla yaay suñu borom yaay suñu lepp yaa ñu mom ci adina si yaa ñu mom ci alakhira yaa ñu mom be faw yaa ñu mom be faw yesu saytane amul tos ci ñun amul dara ci ñun yaa ñu mom borom bi yesu yaa ñu mom be faw ya ñu mom be faw jara jef yesu ci lepp li nga nek ci tour yesu christa amen je vais inviter le pasteur Apollinaire qui viendra nous recommander à la grâce de Dieu nous allons rester debout pendant que l'homme de Dieu va nous recommander va faire la prière finale va demander la force de revenir demain, l'onction pour revenir demain, la volonté pour revenir demain, pas seul mais avec quelqu'un d'autre. C'est une autre manière de dire merci à Dieu. Lorsque je dis à quelqu'un, viens adorer avec moi. Ce sont des temps de reconnaissance, de célébration pour ce qu'il a fait pour nous. Et demain, tu es invité et invite quelqu'un. Merci Seigneur. Prions, bien-aimés, levons nos mains vers le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, cet après-midi, nous reconnaissons que tu n'es pas le Dieu historique, mais tu es le Dieu de l'histoire. Tu es le Dieu, ô Père, qui vient toucher nos vies de façon concrète et tangible, afin que nous ne restions plus les mêmes personnes. Et tu dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de paix, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi cet après-midi, ô Père, je te prie de telle sorte que cette génération soit une génération d'avenir et de l'espérance. Que tout ce qui est devant nous s'écroule dans le nom de Jésus. Et que ton nom soit glorifié dans la vie de chaque personne réunie dans cette semaine. Car tu as dit dans ta parole, il y aura la différence entre ceux qui te célèbrent et ceux qui ne te célèbrent pas. Voilà pourquoi cet après-midi, viens créer la différence dans cette célébration. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lui qui est notre sauveur, lui qui guérit, lui qui relève, lui qui pardonne, lui qui touche, lui qui donne la vie en abondance. Père éternel, merci. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous raccompagnent. Ainsi, je l'ai déclaré, nous disons Amen.